Mardi 1er décembre, la seconde étape du quartier de la Chapelle a débuté avec la pose officielle de la première pierre. Cette deuxième étape est à peu près identique à la première, légèrement plus petite, puisqu'elle comportera 8 immeubles. Et puis de l'autre côté, sur le plan Les Ouates, il y a un quartier, le quartier des Sciers, qui va normalement démarrer. D'ici, je pense, à peu près 2 ans, on devrait également accueillir les premiers habitants de ce futur quartier. C'est l'école intercommunale Le Sapin, récemment inaugurée, qui fait la jonction entre les deux quartiers. Elle accueille non seulement une école, mais également un bâtiment pour le parascolaire, également un bâtiment des sports avec une piscine, une double salle de gymnastique et un grand nombre de sociétés pour les associations communales et également des locaux de musique qui seront mis à disposition des habitants de nos deux communes. La cérémonie a compté avec la présence des représentants de la Fondation Berthe Benarapin, la Fondation privée pour des logements à loyer modéré, l'Hospice Général, le conseiller d'État Antonio Gers, ainsi que le maire de Nancy Frédéric Renevet, qui a participé à la genèse du quartier de la Chapelle. Les éléments les plus sensibles, c'était justement de pouvoir viabiliser les parcelles. Et c'était un énorme travail, parce que c'est effectivement une parcelle assez décentrée. Donc il a fallu amener l'eau, l'électricité, les collecteurs, et puis ensuite toute la ville. C'est-à-dire effectivement toutes les négociations avec Plan Les Ouates pour la nouvelle école, qui se veut un vrai centre de quartier, avec la crèche aussi, qui est maintenant opérationnelle depuis cette rentrée scolaire. Donc vraiment un très gros challenge pour faire que ce quartier vive. De par sa situation géographique, excentrée du reste de la commune, de nombreux défis attendent ce nouveau quartier de Nancy Sud. Il y a des projets en cours, vous savez qu'il y a le fameux projet de la patinoire, mais il faut qu'on trouve une liaison avec le Mégaron qui est en cours de construction. Mais c'est aussi un quartier qui a la particularité d'être partagé avec la commune de Plan-Les Ouates, puisqu'il y a le quartier des Sciers, qui est très proche. Pour les habitants d'ici, ils sont à égale distance, je dirais, entre Nancy Sud et le village de Plan-Les Ouates. Donc il y a des synergies qui vont être mises en place. On est encore un petit peu excentré parce qu'on n'a pas encore le CEVA, tout n'est pas construit. Donc on doit travailler aussi nous, Ville de Nancy, pour faire en sorte qu'ils se sentent véritablement lancéens, pour permettre aussi la jonction avec l'autre partie de Nancy à travers la traversée de la route de Saint-Julien qui devrait à terme pouvoir permettre de relier plus facilement les deux parties de Nancy. Les travaux de construction de la seconde étape du quartier de la Chapelle devraient s'achever fin 2017. Le quartier comptera alors 18 immeubles pour 692 logements, soit près de 1 800 nouveaux habitants sur la commune de Nancy.